Et nous revoici de nouveau sur Resident Evil pour la suite. En tout cas, la petite Evelyne, elle nous teste, elle nous teste, elle nous envoie des gros monstres, des petits, des gros, certains qui rampent au sol. Bien que elle avait pas prévu que j'avais mon gros fusil à pompe qui m'a bien dépanné. Franchement, avec ça, j'ai pu monter, escalader, monter la montagne, ce que vous voulez. J'ai pu monter en tirant comme Rambo, c'était vachement bien. Mais bon, maintenant, faut continuer à avancer. J'ai pas forcément les armes que je préfère. Mais on va faire de notre mieux. Allez, on y va, on y va. C'est parti, moi je sens que c'est bientôt la fin là. Allez, casse-moi ça, Ethan. Je vais bien entendre un peu plus loin. Ouh! Mimi! C'est le photo de Mimi! On a retrouvé la petite vieille! C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revue. Une poupée. J'aime pas les poupées, c'est horrible, ça fait peur. Mamie! Je suis rentré! Ah putain de merde, mais arrête! Ça m'énerve ces trucs-là! Elle a disparu! Sursaut que j'ai eu. Putain, eh oh, je viens juste de commencer la vidéo, s'il vous plaît, hein? Soyez gentils. Arrêtez, merci. Pourquoi j'ai du mal à piger un peu le niveau, on est descendu dans une mine et là on revient dans la maison. À moins après que c'est pas, après c'est juste pas le photo, le fauteuil de la mamie, hein. C'est juste un fauteuil pour mettre des cobayes et puis c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas revu la mamie, c'est chiant. C'était... Non, 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 ça me manque pas en fait. C'est vrai que c'était pas très agréable de la voir, hein. Ça me faisait peur. E001. Ça me rappelle toujours quelque chose que cette photo, on l'avait vue au début du jeu. Fermé. E001. Ça me dit quelque chose dans la lecture qu'on a faite tout à l'heure. Il me semble qu'on avait lu E001 peut-être. Ça me dit quelque chose. Vague, vite fait, hein. Bref. Et attends. Non, si. Attends. Mais c'est le fameux escalier que avec Mia qui nous avait fait peur qu'elle avait monté. Du coup, on est bien revenu dans la maison. On est bien revenu à la maison, d'accord. Putain, j'y croyais pas. Hello. Il y a de la tonalité, hein. Bon. Oh putain. Oh putain, comment elle m'a foutu en l'air. Boum. Ah bah ok, tu résistes au bal. Bah alors Mia, tu te souviens, c'est quand tu m'avais tranché la main avec une tronçonneuse. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Pourquoi je vois ça? T'as inventé une famille, meuf. Bon. On va continuer. Les toilettes. Bon, ça m'étonnerait vu que je t'ai déjà passé que j'avais ramassé tout le stuff qu'il y avait là-dedans. On recharge parce que moi je dis une petite balle, ça peut te sauver la vie. Une petite balle finale bien placée. Ça peut aider. Bon bah tu veux me faire revivre tous les moments quand j'ai hurlé comme une fille, ou avec comment il s'appelait le mec là qui était venu, André. Allez. André, fais pas le con André. Bon bah il y a rien ici à part un piano, des fusibles. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Ça va aller, ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser. Tu le maman. Ah ouais, c'est elle qui a fait mais ça. Mais t'aurais pas dû faire ça. Ça fait putain de mal. Il ne veut pas être mon père. Eh bien, qu'il meure. Maintenant, c'est au tour de maman de te tuer. Oh non, Mia va encore revenir en mode taré. Ça me fait bizarre de revenir ici.
On avait passé des bons moments tous ensemble, hein, au souvenir. C'était chouette, hein. Avec ce petit frigo, tout dégueulasse, cette décoration toute pourrie. Ce meuble. Oh là là. Ah bah t'es là. Tu vas devenir l'un d'entre nous. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Je ne joue pas. Non ! Éloigne ça de moi ! C'est une hallucination, c'est... Oh la vache, la poupée qui fait peur. J'ai pas compris le but de la poupée, mais c'était pas sympa. J'aime pas tirer de mes munitions sur des fantômes. Ça fait casse-pied mes munitions. Quoi, elle est où? Bon, faut revenir en haut. Vous avez vu le coup de la poupée? Franchement, c'est pas chouette, hein. C'est pas cool. Est-ce que je peux te tirer dessus? Non, je peux rien. En recharge, la petite balle peut te sauver la vie. De mon gros mentor Druss qui m'a appris ça. Raté, raté. Calme-toi, calme-toi. Putain, Mia, elle est vraiment flippante avec sa tronçonneuse. Putain. Dégage. Waouh. Oh là là. Va-t'en. Quoi? Ah d'accord. Je croyais que c'était encore du script, mais en fait non, c'est le vrai combat là. Evelyn ne vous laissera pas l'approcher, vous devez vous protéger contre ses attaques si vous voulez lui injecter le... Ok, le nécrotoxique E. Me protéger, donc le truc que j'ai jamais fait dans le jeu, je devrais le faire maintenant. C'est vraiment le... La finale quoi. Laisse-moi te mettre le sérum. S'il te plaît. Bon bah on va faire le tour. Hein. Dégage. Est-ce que je peux ouvrir la porte ici? Reste où tu es. Non. Bon, va falloir avancer comme ça. Je mets en garde. Ça va être dur, hein, on va essayer de faire ce qu'on peut. Allez, approche-toi, Ethan. Tu y es presque. Ah! Allez, allez. Approche, approche. Laisse-moi tranquille. Ah, je crois qu'il y a une limite de garde, hein. Parce que là, j'étais en garde. Je pense que peut-être que tu peux résister à 2-3 assauts, peut-être. C'est moi que j'ai pas géré au début. Mais au début j'ai beau foncer, ça a pas marché. Regardez là, j'approche. Le script ne se déroule pas. Bon. Ok, j'ai triché, il faut retourner là-bas. Tu me dis quand t'es... Voilà. Tu me dis quand t'es prête, hein. Je vais te mettre ton sérum dans la tête, tu vas voir. Allez, allez Ethan, vas-y. Vas-y, vas-y. Non. Tiens. Non, non, non. Prends ton médicament, tu vas arrêter de me faire chier. Putain. Bon, j'aurais appris à faire la garde pour une fois dans ma vie. Toi. Ah, c'était elle. Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste? Ah, c'était même elle. Ah, je vous avais dit qu'un jour elle aurait fait ça. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Voyons ça. Voyons ton sentiment. Faites que ce soit terminé, s'il vous plaît. Je crois que je vais... Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Je sais pas ce que je fais, mais j'allume, hein. On est dans la merde. Je vous confirme.
là 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 là. Qu'est-ce que je dois faire? Il y avait une échelle, j'ai raté l'échelle. Il y avait une échelle. La 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 la. J'ai cru voir une échelle, mais je sais pas. Non, je crois que c'est bon. C'est bon. T'es dur. J'ai une bonne fille, madame. Oh là 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 là, mais elle est énorme. Je crois que ça sert à la queue d'elle ce que je fais. Tu n'es qu'un petit garçon. Arrêtez, j'ai rien fait. Tu veux que je fasse quoi? La 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 la, on est dans la merde. Putain. Je crois que c'est la fin. Aïe. Je voulais juste une famille. Je crois qu'il faut le tirer dans l'œil. Voilà. Putain, mais Ethan, tout ce que tu prends dans la gueule, c'est un coup sans campillon. Il y a un bazooka? C'est quoi ça? Utilise ça! D'accord! Prends-le! T'es gentil! Oh putain! Ça, c'est un gros cut ça! C'est l'heure d'aller au lit! Boum! 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 Putain, ça fait du feu, hein! Ouh la vache! Merci inconnu! On m'avait sauvé la vie! Oh là 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 là. Et oh et lève-toi, sinon tu vas t'ensevelir. Hein. Ce mec là, je sais pas qui c'était, mais il m'a sauvé la vie. Franchement, merci monsieur le soldat militaire qui m'a envoyé ça par une caisse. Merci, 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 merci de tout cœur. Ah. Je sais plus comment il s'appelle eux dans Resident Evil, c'est les... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Anubis, tu vois, tu me le rappelles. C'est pas les Stark, les Spark, les Stark. Oh, moi j'ai plus. Les stars, non, Star, c'est peut-être ça, quoi, je sais plus. Oh, mon nom il est beau gosse, hein. On nous a retrouvés. Pourquoi vous avez mis tout ce temps? Ah, vous avez mis du temps, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh la vache, impressionnant quand même. Hein. Ethan. Oh Mia, ils t'ont sauvé! Mia! T'es vivante! Tu es vivante. On a réussi. Ça fait plaisir, on a réussi. Vraiment? Fait plaisir de voir une petite fin heureuse comme ça. Ah, on dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyn, qui les a rendus comme ça. Umbrella, Corporation Stealth. Mais maintenant, Evelyn n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia. Mais elle est de retour. Elle veut qu'on recommence à zéro. Qu'on tire un trait sur tout ça. Tu m'étonnes. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. Resident Evil, pis au hasard. Ah, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment adoré ce jeu. Oh, ouais.
Je dis rien, je vous laisse savourer. Waouh, je sais pas si pour vous, mais là, j'avais des gros frissons pendant le pendant cette ce court petit film avec la musique vraiment géniale, quoi. Rien à dire. C'était super cool, de génial, de chouette, ce que vous voulez. J'ai passé vraiment un super bon moment. Malgré que ce soit un jeu vraiment basé sur l'horreur, que je suis pas vraiment fan, j'ai vraiment énormément accroché sur le jeu. Il était très 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 bien. En tout cas, j'espère qu'on va vite se retrouver tous ensemble pour un nouveau petit let's play sur un jeu encore terrifiant. Ou soit sur des petits jeux, genre des petits jeux indépendants avec, vous savez, le genre de jeu qui dure une heure ou deux sur un petit épisode. Je sais pas, on verra bien ce qu'on pourra faire. Je vais essayer de me forcer à faire plus de vidéos quand même. Oula, ça va faire. Enfin bref, allez, je vous fais des gros bisous et on se revoit très 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 vite pour de prochaines aventures. Bisous tout le monde, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.